Pour les nominés Dojima, Alexandra, Mathieu, le menu est simple. Répétition, répétition, répétition. Plus beaucoup de temps pour être à la hauteur et éviter le départ. Heureusement, les camarades sont là pour monter le moral et baisser la pression. Il y a vraiment de l'amour qui... Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Une bonne solidarité. Mais les répétitions, ce n'est pas uniquement pour les nominés. Sévan et Noémie, entre eux, c'est difficile, mais ils font tout pour se concentrer sur leur duo. La musique va-t-elle les réconcilier pour de bon ? Affaire à suivre, dans un instant, Star Academy. Hello, bienvenue, la Star Academy c'est ici et c'est pour tous. Dans quelques heures maintenant, pour nos académiciens, premier grand show en compagnie d'artistes de prestige. Notre plateau ouvrira grand ses portes pour recevoir sa première marraine. On est content, on est fiers, c'est Céline Dion avec nous tout à l'heure pour le spectacle. Sans oublier d'autres artistes de renommée française et internationale, Rihanna, Calogero et pour la première fois Christophe Willem, Avril Lavigne et le... New Yorkais crooner Peter Cincotti, une soirée inoubliable qui vous attend, on sera là. D'ici là, trois étudiants comptent sur vous, Dojima, Alexandra, Mathieu. Il s'agit des nominés, soutenez votre académicien préféré en votant soit par téléphone au 3980, pour Dojima tapez 1, pour Alexandra tapez 2, pour Mathieu tapez 3, soit par SMS en envoyant le 1, le 2 ou le 3 au 72 500. Sévan, Noémie, ça fait une semaine que le couple joue à « Je t'aime, moi non plus ». Sévan, c'est vrai, il faut bien le dire, ils se sont un peu délaissés. L'étudiant reproche à la jeune femme de ne pas savoir ce qu'elle veut vraiment. Alors, une question s'impose, qui est vraiment Noémie ? Réveil câlin dans les couloirs du château pour Noémie et ses petites camarades. Un élan de tendresse qui pourrait bien déplaire à Sévan. Tu es glandée ? J'ai dormi. Je suis une fille qui a besoin d'affection. À partir du moment où j'ai ma dose de câlins, ça va mieux. Je peux plus, je fais plus de câlins pendant, par exemple, 24 heures. Pendant ce temps, au programme de l'atelier danse, étirement. Une séance de torture dont Antoine et Alexandra se seraient bien passés. Ok, vous mettez deux par deux. Allongé. Et maintenant, on assise sur les genoux. Avance un peu. C'est moi. Et maintenant, regardez, on plie la jambe droite et la jambe gauche. On m'a demandé qui est-ce que je préférais au prof et qui je détestais le plus. J'ai trouvé les deux réponses. Richard. Tu me fais mal. Vas-y. Dans les jambes. Les mains sur le côté. Tends les jambes. C'est quel le prof que tu préfères? Déjà. C'est qui? C'est qui? Pas toi. C'est pas toi. C'est qui? Oh, c'est Richard. Richard, je te dis. Quel est ton prof préféré? Richard. Richard. Je l'ai pas entendu. Richard. Ces duos là de souplesse pour les étirements, c'est bizarre de dire que bon, y a une notion de plaisir à travers la souffrance, mais même si on a l'impression qu'on souffre beaucoup, en fait c'est un exercice qui détend vraiment beaucoup.
Allez, je ramène ton dos vers moi. Aïe. Non, 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 relâche, 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 relâche. Aïe, relâche, relâche, relâche. Ça vient pas bien, quoi. Allez. Ici. Regarde-moi. Voilà, je pousse. Voilà. Voilà. Calme-toi. Les étirements de Kamel, enfin, c'est intéressant parce que ça demande une force mentale en plus d'une force physique pour pouvoir se dépasser. Et j'ai pas mal crié, mais c'était de la bonne douleur. Donc ça va. Pour Sevan, il existe une autre douleur que celle des étirements. Elle s'appelle Noémie. Et entre les deux académiciens, le fossé se creuse. Explication. Noémie, mais rien censée être personne n'a reproché quoi que ce soit. La meuf, entre guillemets, oui. Je ne peux pas lui tenir la main. D'accord. Et en même temps, elle n'hésite pas à aller tripoter ses copines, à les emballer. Je peux me poser des questions, non? Mais oui. Hier, je prends une douche avec elle, rien du tout. Mais rien. Genre, je lui fais un smack, ça s'arrête là. Il y a un super souci quand même. Le fait de voir justement qu'avec ses copines, elle pouvait se lâcher montre que c'est quand même quelqu'un de très extraverti et limite un petit peu exhibitionniste. Donc voilà, j'ai éprouvé certainement un petit peu de jalousie et puis je trouve surtout que de sa part, c'est pas très délicat et que ça se fait pas trop. Voilà, après ça reste mon avis et puis de toute manière, il s'est passé ce qui s'est passé. Quoi que j'en dise, ça ne changera rien. Ah, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y avait rien de sérieux. Non, c'est pas une question de rien. C'est de la déconne. Ce que je disais, c'est soit j'ai pas de mal à te dire, c'est ce que je dis à Noémie. À partir du moment où moi, qui suis censé être assez proche avec Noémie, si tu veux, nos contacts s'arrêtent à je lui touche la main, mais que Noémie a aucun problème pour aller emballer ses copines et les tripoter, quand même, il s'est passé en fait plus avec vous que ce qui se passe avec moi. Donc à partir de ce moment-là, je peux éprouver un petit sentiment de jalousie et me dire merde, sans déconner, c'est quand même pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. J'aurais tendance à être d'accord avec Sevan. Je me mets à sa place deux minutes et je me dis que ma copine qui embrasse d'autres filles, tout ça. J'aurais pas kiffé du tout, je crois. Pas du tout. Ça, vous en foutez d'avoir cette image-là, Noémie aussi. Par contre, si Noémie venait avoir une image avec moi, main dans la main, ou je lui fais un bisou, oh là là, on peut pas se permettre, c'est tu vois. Trop, quand même. Ça m'en ouf. Non, c'est trop. C'est ce que je veux dire. Non, c'est trop. Tu vois. Donc. Parce que je trouve rien de gênant à la chose, c'est tout. De gênant? Bah non. C'est pas gênant. C'est vachement gênant de me tenir la main et de m'emballer, mais alors par contre... Parce que vous, entre mecs, vous pouvez pas arriver et puis vous faire un petit bisou sur la bouche. C'est impossible. Ah ouais? Non, je peux pas. Tu peux pas arriver vers un mec. Non. Tu peux pas arriver vers un mec et lui faire je t'aime ou lui faire des petits bisous comme ça. Ou même si j'ai envie de lui faire juste ça pour m'amuser, je le ferai, tu vois. Voilà. Mais non, mais c'est pas pareil. C'est quoi, attends? Les rapports entre deux hommes, deux copains, ne sont pas pareils que deux filles. Le problème, c'est que t'as plus de rapports avec tes copines qu'avec moi et je me considère quand même comme étant un mec que tu kiffes quand même un minimum. C'est-à-dire que sinon, on n'aurait pas ces discussions, sinon on serait pas toujours ensemble et voilà. Je suis beaucoup plus complice avec certaines filles du château comme Yael, Lucie et Eva qu'avec Sevan. Je sais pas, je me sens plus à l'aise dans les bras d'une fille qu'un garçon. Je trouve ça plus naturel, on va dire, d'être dans les bras d'une fille. Je te fais pas la gueule, mais je crois que j'ai juste envie en fait de te dire que soit t'assumes ce qui se passe entre toi et moi, soit tu l'assumes pas, ce qui nous empêche pas d'être amis ou même de bien s'entendre, parce que voilà, j'ai pas envie de te faire la gueule ou qu'il y ait une mauvaise ambiance entre toi et moi, loin de là. Mais par contre, j'ai pas envie, je veux dire, à partir du moment où tu n'assumes pas le fait d'être avec moi, j'ai même pas envie qu'il y ait un contact entre toi et moi. Tu fais ce que tu veux, on discute ensemble, on peut se marier ensemble, mais ça s'arrête là, tu vois, parce que il y a un problème où quand on peut avoir des moments ensemble et qu'il ne se passe strictement rien, parce que je vois bien que t'en as pas envie, que ça te freine, moi, ça me fait franchement mal. J'ai pas envie d'être avec une fille comme ça. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Okay. Ça ne m'empêche pas de fréquenter et qu'on discute, mais ça veut dire que toi et moi, on est amis. C'est ça que j'ai envie de te dire. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ce que je vis en ce moment avec Sevan, c'est assez difficile à décrire. Je vais pas dire que c'est une histoire d'amour. Je vais pas dire que c'est l'amitié. Je vais dire que c'est au milieu.
Bah ouais. Ah, mais je prends pas ça pour une tromperie, mais si tu veux. Mais c'est pire qu'une tromperie. Non, mais c'est juste. Moi, ça me rend malade. C'est juste, j'ose rien faire avec toi, mais sous tes yeux. Je vais rigoler ailleurs. C'est très mal. J'ose rien faire avec toi, mais alors sous tes yeux, par contre, je fais des trucs avec mes copines. Et de toute façon, en quoi ça vous regarde, vous? Mais parce qu'on est là, mais tu me rends ouf. On est dans la même chambre. On est dans la même chambre, on voit vous sauter dessus. Et alors? Mais attends, mais toi, et toi, quand t'as envie de faire des choses avec Noémie? Ouais, moi, je fais rien. Mais oui, mais tu donc fais rien. Donc quand mademoiselle ne fait rien si avec tu... moi, mais fait un si, truc si, avec toi, si, là, moi, non, ça vient me déranger. Mais voilà, mais si elle voulait bien, tu le ferais bien mais quoi, aussi. Ouais, donc... Mais bon. Donc arrête de me dire, voilà, moi, je suis pas vous faire chier. T'es en contradiction totale avec ce que tu dis. Non, mais ça m'énerve. Complètement. Moi, j'assume complètement tout, j'en ai rien à faire, quoi. Déjà, le fait que le soir, j'aille faire des câlins à Noémie et que c'était des câlins assez forts, je pense que ça le dérangeait déjà parce que, en fait, c'est un peu de la jalousie, mais pas envers moi, de la jalousie envers. Parce qu'elle nous donne plus à nous qu'elle ne lui donne à lui. Noémie arrivera-t-elle à trouver des réponses à ses questions existentielles? Peut-être grâce au cours de développement personnel avec Magali Dieu. Je ne me suis jamais sentie aussi fragile. Ouais. J'arrête pas de pleurer depuis que je suis ici. Ici, je me force à ne pas pleurer, je deviens méchante, agressive. Et je suis sur les nerfs, je tape du poing et j'ai envie de tout casser. Est-ce que tu as confiance aux gens qui sont autour de toi? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'hypocrisie entre les élèves. Mm-hmm. J'ai l'impression que je peux leur faire confiance. Enfin, surtout à certaines personnes. À Eva, par exemple, à Sevan, à Jérémy. Jérémy, je pense que c'est quelqu'un qui... C'est le seul, je pense, qui peut me comprendre. Et puis, il y a elle et Lucie. Je pense qu'ils ont un peu compris comment je fonctionnais. D'accord. En entrant ici, j'avais qu'un objectif, c'est arriver pour gagner. Je suis pas là pour me faire des amis non plus. Mm-hmm. Et j'ai peur de perdre de vue l'objectif que je m'étais fixé. Et d'être là en colo de vacances presque. D'accord. J'ai plus cet esprit de compétition. Et ça me gêne beaucoup. D'accord. Parce que je me sens trop gentille par rapport à ce que je devrais être. Parce qu'on est dans un jeu, et pour moi, le jeu, si je le perds, je le prendrai très mal. Alors, tu vas me répondre. Ce que je veux être et pourrais devenir. Ce que je veux être est une superstar. D'accord. Ce que je veux être et ne serai jamais. Une fille gentille. Une fille gentille. Mmh. Mais pourtant, t'es adorable. Non. Je vais être à la fois ça parce que j'aimerais être super sympa. Mais d'un autre côté, je ne veux pas l'être. Parce que t'as peur que ça parce te... Parce que j'ai pas envie de me faire marcher dessus. Par exemple, quand Quentin m'a dit « c'est moche ce que tu fais », j'avais qu'une envie de lui dire « je sais ce que je vaux, je suis pas n'importe qui, alors tu fermes ta gueule parce que toi, t'es une merde à côté de moi ». Et dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper. Et ça me fait du bien de voir les gens comme ça en plus. Alors est-ce que ce serait la méchanceté? La méchanceté, je pense. Très méchante. Au cours de développement personnel, j'étais 100% moi-même. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Parce que j'ai quand même dévoilé des choses assez personnelles sur moi. Et j'avais besoin de parler. Bon, c'était un peu trop court. Ce que je ne veux pas être et pourrais devenir, c'est ton défaut, une femme vénale. Mm. Ça te pose un problème? Aucun. Non, tu l'assumes. Ils me font rigoler les gens qui me disent « l'argent, ça ne sert à rien ». Mon œil, ouais. Ça y contribue. Moi, je veux pas une vie simple. Je veux un truc grandiose. Je veux être heureuse toute ma vie, pouvoir dépenser à gogo. Et puis, si ça me fait plaisir, eh ben, je me l'achète. Je veux pas compter. Il faut que tu creuses ça. Je pense que cette femme va me faire du bien. Je pense qu'elle va m'aider à me calmer, à me canaliser. Si parfois je suis en colère, si je suis stressée, je pense qu'elle va me faire prendre conscience de mon objectif. Ici. Je suis dans le développement personnel. C'est cool ce qu'il nous fait faire. Là, t'y allais? Qu'est-ce que t'as fait faire? Il me fait parler de moi, là. De nous? De moi. Mm-hmm. De ce que je pouvais ressentir depuis que je suis au château. J'ai dit que j'allais pas tellement bien. Elle m'a dit, mais c'est bien. Je fais, ouais, mais je suis la seule à pleurer ici. C'est vrai? Je pense pas. Ben ouais, mais les autres, ils se cachent. Moi, j'arrive pas à contenir.
Je me mets à pleurer pour rien. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se livrer, qui a de la peine à le faire. Et puis, je pense que si on a envie d'évoluer sur soi-même, il faut savoir se confier un petit peu et puis essayer de comprendre ce qu'il y a au plus profond de soi-même pour dépasser ça et puis apprendre de nouvelles choses sur soi. Direction le plateau du Prime pour Sevan et Noémie. Peut-être que ces répétitions leur permettront définitivement de recoller les morceaux. En fait, ça me fait quelque chose de devoir toucher, chanter cette chanson avec elle parce que ce ne sera pas sincère. Et que j'ose même pas la regarder quand je chante cette chanson. Et là, on va être noté par un jury et ça me gave parce que je le sens pas du tout. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fume même la nuit. Comme moi, ma chérie, Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit: j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, Noémie. Unique fumeur de gitane. Mais oui, je suis pour rien. On est parti pour aller aux répétitions, on était en froid, j'avais pas envie en fait que de foirer cette répétition parce que je me sentais pas bien ou parce qu'on s'était engueulé, donc je pense que j'ai fait vraiment abstraction de tout ce qui pouvait me gêner. Le fait qu'elle soit en face de moi, évidemment, ça impliquait un petit peu tout ce que je pensais d'elle et tout ce qui s'était passé, puisque c'est avec elle que je chantais cette chanson, donc c'était difficile de tout oublier. Mais ça s'est bien passé, on a pris tous les deux du plaisir, et puis je vais pas surtout foirer mon prime parce que j'ai quelques soucis avec Noémie, ce serait dommage. Retour du plateau du Prime, les répétitions ont visiblement permis au jeune couple de se retrouver, comme au premier jour. Ouais. Hein, t'es content? Moi je suis content. Je suis vachement content. Moi je suis content. Moi aussi je suis très content. Je suis content. Non? Je suis content. Non, je suis super content. Du champagne. Descends. Je suis content. Ok. J'aurais d'être content, c'est comme ça que j'ai fait ma joie. Ça fait plaisir de... Ouais, mais on est vachement content parce qu'on n'aime pas du tout cette chanson et on est vachement content. On est super... On a très bien chanté, on est les rois de la chanson naze. Notre relation, c'est un petit peu une... On est un petit peu toujours en match de ping-pong, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que c'est un coup ça va bien, puis la balle revient, puis elle repart, puis elle revient, donc c'est un peu saccadé, il n'y a pas grand-chose de stable, donc c'est chiant, quand on s'engueule, c'est très violent, quand on est bien, c'est très câlin, et ça explique que parfois, bah voilà, on se fasse la gueule, que j'ai pas envie de lui parler, puis peut-être que 5 minutes après, je vais la prendre dans mes bras. C'est comme ça. Voilà. Pour bien se préparer à affronter l'épreuve du Prime, Dojima a droit à une séance de coaching personnalisée. C'est signé Christophe Pinot. Moi, je mise sur un point important. C'est que t'es à la fois, t'as ce côté où des fois tu peux te battre, et t'as ce côté où tu te poses des tonnes de questions. Ce que je vais te demander, c'est de t'engager physiquement et de jamais analyser le travail par la tête. On dit couramment à quelqu'un, bah, quand il s'engage vraiment, on dit bah, comment voir ce que t'as dans le ventre. Et bien, c'est ce qu'on va voir là. On va essayer un petit peu de travailler avec ça et pas avec la tête. Ok? Allez, on s'échauffe pour pas se perturber. Tu trottines. On va partir de là, viens. Ce que je veux. Ta cible, tu la prends. Tu l'as jamais. Tu regardes devant, bien tes yeux devant. Voilà. Maintenant, détends-moi ses épaules, concentre-toi. Voilà. Allez. Je suis en position. T'es prêt? Allez, go, accélère. Accélère. Pousse, 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 pousse. Et on relâche. Allez. Ne mets pas la tête dans les épaules. Hein? Sois fier. Tu viens, c'est pour un plateau, c'est pour donner. D'accord? Il faut pas, à force de croire qu'on... de recevoir, non. Avant de recevoir, on donne. On donne quoi? On donne de la générosité dans le travail. Regarde. Allez. On y revient. Voilà. Quand c'est dur, c'est là. T'es prêt? Allez, on y va, gars. Allez, pousse, pousse, accélère. Voilà.
Plus t'es fatigué ce soir, entre guillemets. Je vais dormir. Demain, tu vas avoir un pic. Un pic de forme, ce qu'on appelle. Ton corps, il va compenser. Et demain, tu seras bien. D'accord ? D'accord. Voilà, parce que sinon, si t'es fatigué que mentalement, ça va pas. Là, t'es fatigué physiquement, il y a tout. Tout va se mettre en route et demain, tu vas te lever. Tu vas attaquer une belle journée. Je sais pas, les gars. Tu m'as pas déçu, un truc. Merci. Il m'a réellement, bon, déjà fatigué, mais ça m'a fait un bien fou, quoi, aussi. Ouais, vraiment. Ah oui, j'ai vraiment senti ce que c'était que d'aller au bout de quelque chose. Ah putain. À la veille de la première élimination, plus les heures passent, plus l'angoisse monte, les nominés sont tendus. Ouais, pour moi, je suis parti. Bon, j'hésiterai quand même. C'est vrai ? Pour moi, je suis parti. Tu penses pourquoi ? Chez moi, je pense la même chose. Moi, j'ai faim. Je sais pas, c'est... On va manger pendant pas longtemps. Mais c'est bizarre, j'ai plus de... Tu sais, quand je pense, je me vois plus à l'extérieur que me dire je vais rentrer au château, tu vois. Ouais, ouais, moi j'arrive aussi. J'arrive pas à m'imaginer revenir au château. C'est bizarre. Ouais. Mais je crois que... C'est pareil pour tout le monde. C'est trop chelou. Bizarrement, je me sens super bien. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de tomber un peu de haut demain. C'est-à-dire que là, je ressens pas de tristesse ni de peine, quoi. Je vis à fond les derniers instants, peut-être, entre guillemets, ici. Ce qui fait un choc, c'est que on s'attendrait pas à partir aussi vite. T'as l'impression que t'as du temps, parce que ça passe très lentement, finalement. Comme on disait, tu vois, les journées passent vite, les nuits, elles passent lentement. On a l'impression que ça fait un mois qu'on est là. Mm. Et en fait, c'est assez rapide, quand même. Mm. Et c'est con de devoir, en fait, être nominé, tu vois, ou devoir être toujours sur la brèche pour pouvoir faire quelque chose. Mais souvent, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Une sorte de coup de motivation. Exactement, voilà. Mais en ça, c'est une bonne école, ici. Ouais, ça, c'est sûr. Les nominés n'auront que 3 minutes sur le prime pour convaincre le public qu'ils méritent leur place au château. C'est tout l'enjeu du cours d'expression scénique. Je serai KO, descendu des plateaux. Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Voilà, ouais, okay. J'ai un problème là-dessus. Ouais. Alors, de toute façon, déjà, tu parles à qui ? Alors là, j'ai parlé à personne, pardon. Effectivement, je me suis non, pas possible, sur... je m'en suis même pas aperçu. Il va falloir aussi que tu poses ton regard beaucoup plus longtemps au même endroit. Tu as tendance à En gardant mes yeux ouverts comme les vélos. Quand t'as un truc à dire. Après, quand t'auras une. Là, c'est pas une chanson qui nécessite, tu vois, de faire des efforts vocaux ou de faire passer un truc qui nécessite de fermer les yeux. Après, c'est comme tu le sens. D'accord. Mais essaye pas d'aller. Si tu regardes le public, tu regardes au loin une fois à droite, et puis après, quand t'attaques un autre truc, peut-être une fois à gauche. Mais pose ton regard, qu'on ait vraiment l'impression que tu racontes ça à quelqu'un. D'accord. On y retourne ? Tout à fait. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, yes. Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Yes. Je commence à comprendre des trucs, ça me fait super plaisir, quoi. Génial. Ça me fait vraiment plaisir. Je commence vraiment à comprendre des choses, quoi. Je pense que pour la première fois, en ouvrant les yeux dans le cours de Rafi, j'ai eu un déclic. J'ai pour la première fois eu la sensation d'être dans ma chanson. Après, est-ce que ça se vérifiera sur le prime, je sais pas. Tout de suite, dans Star Academy, climat tendu à l'approche du prime. Pression, tension, fatigue, cocktail explosif, les esprits s'échauffent et une nouvelle dispute éclate. Oh là là, elle était relou, c'est bon, on rigole, attends, voilà, tiens, Jérémy, Jérémy, je suis désolé si ça a pu l'incidence sur ta vie. Mais que s'est-il passé ? Vous voulez vraiment le savoir ? Restez connectés, juste après la pub. Du grand
grand spectacle ce soir, c'est l'heure du grand show qui approche. On vous attend à partir de 20h50, une soirée inoubliable où se produiront des artistes d'exception qui sont venus spécialement soutenir nos élèves. Il y a d'abord Céline Dion, hein, première marraine de cette Starac 7. Elle nous fait l'immense honneur d'être avec nous. Elle sera accompagnée de Rihanna, la belle Rihanna, Calogero, Christophe Willem pour la première fois à la Starac, ainsi que Avril Lavigne et Peter Cincotti. Mais tout ceci ne doit pas vous faire oublier l'enjeu de la soirée, Dojima, Alexandra, Mathieu, trois prénoms, trois académiciens dont l'heure de vérité approche pour eux. 3980, c'est le numéro de téléphone pour les sauver. Vous connaissez le principe, 1 pour Dojima, 2 pour Alexandra, 3 pour Mathieu, soit par SMS en envoyant le 1, le 2 ou le 3 au 72 500. Hier, veille du prime, la pression était palpable chez tous les académiciens, on les comprend. Une soirée sous haute tension qui s'annonce. Qui va faire les frais de cette nervosité, je vous pose la question, voici la réponse. Avant de commencer ta chanson, te mettre vraiment dedans, penser à ce que tu vas raconter et te mettre dans l'état, de faire remonter à la surface ce petit moment qu'il y a dans ta mémoire pour t'aider à interpréter cette chanson. Et n'oublie pas cette notion de plaisir. Ok. On essaye ? Ouais. Allez. Reste-t-il de notre histoire, deux ombres qui se séparent sans même un regard. Des sanglots sur un répondeur, des fleurs séchées dans un classeur. La nuit glacée qui dessine mes rêves à l'encre de chine. Je ne suis là pour personne. Ok, c'est quoi tes rêves ? De la musique. Être sur scène. Tout ça, il faut que tu le vois. Ouais. Quand tu nous parles de tes rêves, les rêves à l'encre de Chine, montre-nous que c'est vraiment un rêve et que c'est important pour toi. Et ça, c'est valable pour chaque phrase. Tu comprends ? Merci beaucoup, Alexandra. Ne perds pas de temps. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça passe. Casse le mur du son, sans poser des questions. Guidé comme un aimant. Alors, ça parle de quoi ? Toi, tu comprends quoi là-dedans ? Ok. C'est un appel à venir danser, viens danser sur mon son, quoi. Viens kiffer la vibe. On me dit si bien. Évite, quand tu dis ne fais pas ci, de montrer le geste qui va avec. D'accord. C'est pas la peine d'en rajouter avec la gestuelle. Voilà, voilà. Okay. Ils vont en éliminer aucun et puis voilà. Alors, bah, question des ex-échos. S'il y a trois ex-échos, comment ça se passe ? Bah oui, franchement. On verra ça. Passez une bonne soirée, profitez-en bien. Et pour la dernière soirée au château, pour l'un des nominés, la tension est au rendez-vous. Au cœur du conflit, Alexia et Jérémy. Nominé ! On le ménage. À la bouffe. Et bon courage. Pensez courage. Et tout. Ouais. Et à Bezoul surtout. À Bezoul, hein. À Bezoul. Et surtout, il y en a deux qui sont sauvés. Vous êtes sérieux, là ? Et de toute manière, je rigole, l'aventure ne s'arrête pas là. Ah non. Parce que je reviens, moi. Santé. Allô. Dans les yeux, c'est temps de meilleur sexuel. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Tu regardes pas dans les yeux, c'est 7 ans de meilleur sexuel. Ouais, ça a jamais été vérifié. 5 ans de quoi ? Pour Alexia et Dojima, qui ont des gros problèmes dans leur couple, ce soir, leur vie va mal. Et ils sont là pour en parler dans cette dispute. Nous ne sommes pas ensemble, nous n'avons jamais été. Merci Jérémy. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la non-acceptation de soi. Non, non, mais que commence pas à me prêter des fausses relations. Oh là là, t'es relou, c'est bon, on rigole, attends, voilà, il y a un. Jérémy, Mathieu, j'ai fait un certain nombre de choses. Jérémy, Jérémy, je suis désolée si ça a aucune incidence sur ta vie. Tu t'es attaqué pour n'importe quoi. Ouais. Jérémy, déjà, et donc, te calme. De deux, je suis pas ta copine. Et de trois. Ta copine non plus. Et bien alors, deux, trois, tu te permets pas de dire des choses. Je te dirai, est-ce que je t'en ai. D'accord ? On dit comme 3 secondes, vas-y. Et bien juste, tu dis pas. Et c'est au fond. Mission de petit. Ah oui, bah voilà, tire la gueule. Venant de Jérémy, il s'emporte très vite. Il y a beaucoup de choses qui vont pas avec plusieurs personnes dans le château et je pense que moi j'ai appuyé sur le bouton et que ça a explosé avec moi. Je crois qu'il se rend pas vraiment compte en fait. C'est pas toi que je fais la tête, c'est bon. Avec que je parte et j'ai jamais voulu te brancher sur n'importe quel sujet. Quand j'ai fait la tête de Jimat, c'est pour rien. On rigole. Ouais. L'autre il vient ouvrir sa gueule, il vient te permettre de me juger. Je suis pas dans cet état là. Je te jure qu'on te juge pas. Non, attends, il y a des choses qu'il a pas à dire et d'un.
parce qu'il a 17 piges, qu'il connaît rien à la vie et que moi j'ai pas envie que ça ait des incidences sur ma vie à moi. Non, mais je sais. Il vient de permettre de me dire des choses alors que lui, dès qu'on loue sa gueule, il est prêt à taper sur tout le monde. Je sais. Tu m'as expliqué et tout. Je comprends et il n'y a pas de problème. Mais te mets pas dans un état comme ça. Non, mais attends, c'est meilleur ça. Donc s'il faut que je ferme ma gueule. Mais non, tu fermes pas ta gueule. Il a 17 piges, c'est celui qui a tort. Tu lui dis. Non, je lui dis pas, parce que si je lui dis, il va encore péter le plomb et dire que, mon Dieu, c'est le Calimero de la soirée. C'est non, bon, non, 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 non. Moi, il n'y a pas de problème, s'il finit ce qu'il veut et qu'on finisse par plus parler du tout, parce que moi, si je veux tirer une tarte dans la tronche, il n'y a pas de problème. Mais non, vous te mettez pas. Il rigolait, vraiment, il voulait pas. Plus, il avait rien. Demain, tu vas. Écoute, Claudia, vraiment, le prends pas mal. Il était vraiment très loin de savoir ce qui se passe dans ma vie. Et il a non, des choses, il a qu'à fermer sa gueule. Ça le regarde pas. Il n'y a pas de problème avec. Et en plus, je ferme ma gueule exprès pour pas que ça parte en couille, mais la prochaine fois que je rentre dans l'art, j'en ai rien à taper. Qu'ils sentent mal dans sa peau, que j'en ai rien à foutre. Je sais pas, au moins m'écraser. Non, mais. Écoute, Jérémy, tout ce qu'on va faire, tu vas éviter de me parler pour la soirée, ok? Par rapport à la situation avec Alexia, c'était un peu disproportionné sur le moment. Voilà, quand je l'ai vu partir, après, ça m'a. Voilà quoi, ça m'a... j'étais un petit peu déçu au niveau de la soirée parce que. Les trois nominés, ils étaient là, on était là pour faire une bonne petite fête un peu, et voilà, ça a été un petit peu gâché. Effectivement, elle a peut-être réagi un peu violemment. Dans la forme, c'est pas. Elle a été un peu violente. C'est pas le moment, s'il vous plaît, d'avoir tout ça. T'embrouille pas, on parle. Elle a été violente dans la forme, effectivement. Mais elle a eu, tu sais, il y a un truc qui l'a piqué. Tu vois ce que je veux dire ? On réagit pas comme ça bêtement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas toi en général, c'est ce que tu as dit sur ce moment-là. J'ai essayé de discuter avec les deux pour essayer de les réconcilier parce que je sais parce que non seulement c'est notre dernière soirée et puis j'ai vu Alexia mal et tout ça me faisait de la peine elle va chanter avec Céline Dion si elle passe sa soirée à pleurer c'est pas vraiment bien quoi. Tu vas lui expliquer demain, tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ? Je lâche la j'ai même pas envie d'en mais si parce que ce serait con parce qu'il a pas voulu te blesser, tu vois ? C'est pas quelqu'un de méchant, il n'a pas voulu te blesser. Je pense pas qu'il voulait faire mal, mais à partir du moment où je lui dis, Jérémy, c'est pas quelqu'un de méchant, pas du tout. Seulement à partir du moment où moi je lui dis non, moi je machin, point barre, qu'il a qu'à comprendre. Bien sûr, tu vois bien qu'il a son caractère aussi qui fait qu'il va pas, il va répondre comme ça à un moment, ça va le faire chier, des trucs ouais, comme bah, ça. Ouais, c'est moi qui prends, mais ce alors que je veux dire, c'est que quelqu'un d'autre, mais effectivement, moment, mais c'est bon quoi. Explique-lui bien demain, ce serait con, c'est tout ce que je veux dire, parce que. Quand Shrek a descendu des plateaux fourneaux, en bas par des plus beaux que moi. Est-ce qu'il y en a encore ? Putain de merde. Pour bien préparer le prime, Edu travaille avec les jeunes artistes. Au programme, échauffement vocal. On fait ça pour... on va aider à réveiller aussi cette part d'ici de le masque. Et ce soir, éclate.
et que là, dans le prime, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a beaucoup de chanteurs qui ne peuvent pas le faire. Et devant millions de personnes. Et que là, vous, 10 secondes avant de monter sur la scène, pensez dans les paroles et dites, OK, c'est quoi l'histoire? Et face. Fais comme ça. OK? Et pour s'éclater. Pas peur. Après, il va passer ce qui va passer. Mais il faut que vous fassiez le mieux. Tu veux? OK? Bon, merci. À quelques heures de son duo avec Céline, l'angoisse monte pour Alexia. Je crois que j'ai les moments où je percute. Là, tout à l'heure, quand Edou l'a dit, ça m'est monté dans ma tête. Tu réalises parce que t'es proche. Et je réalisais pas, en fait. Il me dit, ouais, ce soir, il y en a qui font des duos, il y en a qui font des sous-duos avec Céline Dion. J'ai fait, oh ouais, merde. Je crois que j'occulte un peu le fait que je chante avec Céline Dion ce soir. Je préfère pas trop y penser. Parce que sinon, Edou, je pense que j'aurais pas dormi. Et je pense que je serais pas aussi zen ce matin. Et c'est super stressant. C'est vraiment un mélange entre la peur, l'angoisse de ne pas être à la hauteur et en même temps j'ai envie d'y aller et de la rencontrer le plus vite possible. Dojima, Alexandra, Mathieu, trois stars académiciens, trois étudiants qui vivent peut-être leurs derniers instants au château. Cette journée va passer extrêmement vite. Je le sens aussi. Je suis dégoûté quoi quand même, parce que je sens que... Quoi ? Enfin non. Oui, qu'il y en a un qui va partir, c'est inévitable. Oui, mais ouais, mais je suis dégoûté, quoi. Oui, je sens qu'on va être triste. On va être triste de toute façon. Mais ouais, soit Mathieu, Dojima ou moi. J'ai pas du tout l'impression que c'est le moment de partir pour moi, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je viens juste de commencer à juste cibler quelques-uns de mes problèmes. Donc, bien sûr que non, enfin, je voudrais rester pour améliorer tout ça. Bon écoute, tu sais ce que je vais faire? Trop la femme. Je vais laisser des trucs là. C'est vrai, c'est je vais laisser mes chaussures là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le dressing, alors j'espère que je ne vais pas me faire piquer ma place parce que je compte bien remettre mes affaires à la même place. Donc voilà quoi, je pense en faisant ma valise, à ce qu'on ne me pique pas ma place au cas où je revienne. Voilà. Ciao! Ciao! Ouais, déjà. Au revoir les amis. Tchuss. Et bien nous y voici. On est parti. Ouais, fais d'artiller le château. Ah, 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 ah. Dojima, Alexandra, Mathieu, trois prénoms, première élimination ce soir. Prime time où nous accueillerons deux grandes vedettes françaises et internationales. Il y aura Céline Dion, Rihanna, Christa Willem, pour la première fois Christa Willem ainsi qu'Avril Lavigne, sans oublier Calogero du grand spectacle. Un élève quittera le château, 3980 c'est le numéro de téléphone. Il y a trois nominés, qui voulez-vous garder? Vous connaissez le principe, un Dojima, deux Alexandra, trois Mathieu, 70-500 pour les soutenir et sauver l'un d'entre eux par SMS, l'autre vous le savez. À l'issue de notre prime time, sera sauvé par le jury composé de Passy, Pascal Nègre et Monsieur Yvan Cassard. A tout à l'heure pour du grand spectacle. Star Academy, c'est ensemble. On vous attend. Je vais te présenter tout le monde. C'est Van. Allô, comment ça va? Très bien, merci. Jérémy. Salut Jérémy, enchanté. Claire-Marie. Salut. Tu viens de voir c'est Pierre. Jamais. Eva. Eva, bonjour. Yaël. Je t'ai entendu, super. Antoine, le plus salut, jeune. Salut Antoine, le plus jeune. Quentin. Salut. Bonjour. Maureen, pardon. Maureen, bonjour. Bertrand. Bertrand, comment allez-vous? Et Alexia. Alexia. Voilà. Tout se passe bien? Ouais. Oui. Ça a bien été la répète? Ouais. T'es contente quand même? Oui, oui. Ouais, c'était super bon. Waouh, c'est quel studio! Et tu vois, c'est la nouvelle scène. Bonjour, Marie. Voilà. Ça va bien? Qui va tomber dans les pommes aussi. Donc, non, je vais pas. Non, ça va aller. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est gentil. Alors, tu chantes aussi? Oui. Avec vous?